vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je ne veux pas vivre dans un pays laïque avec des merdes qui rêvent d'en faire un état islamique. On s'en fout de vos imams qui nous parlent de séparatisme. Le problème c'est l'islamisme et les assauts antiracistes. Dans quel état se retrouve la France aujourd'hui? Sans pitié, vous avez ravagé ce pays. La France le pense, je le mets en musique. De la gauche émane la haine et l'impuissance publique. Vous voulez voir vos rêves exaucés? Entre vous et Jésus, il y a un fossé. Si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de talibans bien dressés. On n'a rien à foutre de vos cités, par-dessus tout on s'en fout de l'universalité. Pour adapter nos lois à la réalité, virons tous les fils de pute pour pouvoir vivre en paix. Racaille, votre jeu est trouble, racaille. Votre discours est double, racaille. Au pays des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vos parents sont venus coloniser la France. Vous appliquez des lois que vos imams ordonnent. Après le World Trade Center, plus rien ne m'étonne. J'encule le rap et je suis content. Vous vous vendez des drogues aux étudiants. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs, il les envoie au cimetière. Vous vous êtes servi de la France, moi je me suis servi du rap pour que mon message passe aux noirs et aux arbres. En attendant les aides sociales, vous allez chier avec votre bouteille d'eau pour laver votre trou de balle. J'aime pas les pirates avec le cul qui gratte. Vous tuez des jeunes blancs qui vont s'amuser en boîte. Et c'est parce que je ne donne pas la patte que vous appelez ça du rap d'extrême droite. Pour vous, Yacine Bellatar est quelqu'un de fréquentable. Quiconque combat Le Pen peut s'asseoir à votre table. Incapable de rassembler, vous divisez. Dans ce pays, vous n'avez aucune utilité. Racaille, votre jeu est trouble, racaille. Votre discours est double, racaille. Au pays des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vos parents sont venus coloniser la France. Vous appliquez des lois que vos imams ordonnent. Après le World Trade Center, plus rien ne m'étonne. Be you, be fierce, be proud of you, because you can be do what we want to do. Comme toute la France d'en bas, tu niques ta mère, moi je continue le combat. Je crois au charter, pour moi vous êtes comme des grosses crottes. Vous n'avez pas de cause profonde, si c'est le trafic de drogue. Vous allez à la mosquée sans conviction, commanditer même des meurtres depuis la prison avec vos barbes de merde. Vous jouez les saints, mais les blancs savent bien que vous n'êtes que des grosses putains. Pour vous tous négocier toutes les questions de genre. Vous êtes même les premiers à sucer le Qatar. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier, tirant sur la police à coups de mortier. Aveuglés par l'argent, vos cœurs sont voilés, vos traits dans votre merde. Vous vous fourvoyez si nos prétendus principes de laïcité ne vous conviennent pas. Allez vous faire enculer, racaille. Votre jeu est trouble, racaille. Votre discours est double, racaille. Au pays des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vos parents sont venus coloniser la France. Vous appliquez des lois que vos imams ordonnent. Après le World Trade Center, plus rien ne m'étonne. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce shit? Faut plus d'Éric Zemmour sur nos chaînes publiques. Payez pour propager votre haine avec du rap toxico diffusé sur la FM. Nous on s'en fout de tous tes frères. Trouver des mulots de droite n'est pas une mince affaire. Dans quel état on se retrouve aujourd'hui? Sans pitié, vous avez ravagé ce pays. Après les papiers, jusqu'où vous irez? On sait que c'est le Franquistan que vous désirez. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. Moi j'en ai rien à foutre, c'est réciproque, racaille. Vous faites la morale, mais ça ne vient pas d'Afrique, la caisse d'allocation familiale. Vous faites monter le sentiment anti-policier, usé de l'islam comme d'une armée privatisée. Racaille, votre jeu est trouble, racaille. Votre discours est double, racaille. Au pays des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vos parents sont venus coloniser la France. Vous appliquez des lois que vos imams ordonnent. Après le World Trade Center, plus rien ne m'étonne. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Mon saucisson, si tu cherches tes frères, va voir au poste. Si tes saucissons à nous envahir par l'Espagne ou l'Italie. Vous avez meurtri mon pays jusqu'à l'agonie.
Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais ils viennent de chez vous. Tous des terroristes, toujours les mêmes. Et on recommence, n'est pas avec des moutons que les choses avancent. On a mis des milliards dans vos quartiers, vous vous dites qu'on n'a jamais rien fait. La haine de la France vous a gangréné avec votre Coran de la diversité. Vous vous êtes clashé vous-même pour vous diviser. Tant que ça fait de l'audience, vous ramassez. Notre vie pour vous n'a plus aucune valeur. Vos imams en réalité s'en battent les couilles si on meurt. Racaille, votre jeu est trouble. Racaille, votre discours est double. Racaille, au pays des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vos parents sont venus coloniser la France. Vous appliquez des lois que vos imams ordonnent. Après le World Trade Center, plus rien ne m'étonne. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Maintenant nos différences nous appauvrissent. Sinon mec, nous serions tous riches. La nuisance macabre et destructrice provient de l'impuissance publique. Je vous tiens tête car je connais votre projet. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir un procès? Les islamistes d'aujourd'hui ou demain, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ne servent à rien. Ce sont les spécialistes du vice. Ils ont toujours voté pour des sionistes, pour des gauchistes qui emmerdent le monde. C'est même quand sont prêts à voter pour Mélenchon. Vous êtes-ils choqués par Jean-Marie? Vous faites la même à la France depuis Samuel Paty. Racaille, votre jeu est trouble. Racaille, votre discours est double. Racaille, au pays des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vos parents sont venus coloniser la France. Vous appliquez des lois que vos imams ordonnent. Après le World Trade Center, plus rien ne m'étonne. On vous demande une carte blanche et vous salissez l'adversaire. Et vous proférez des mensonges, comme depuis le début de ce débat. Parce que le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet pour lui. Votre projet, c'est de dire au peuple français, cette personne est atroce, c'est de salir, c'est de mener une campagne de mensonges et de falsifications. Votre projet, c'est un projet qui vise à vivre de la peur et des mensonges. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui a nourri l'extrême droite française et ce qui vous a fait vous. C'est pour ça que je n'en veux pas pour mon pays. Parce que la France que je veux, elle vaut beaucoup mieux que ça. La France que je veux, elle ne sera pas divisée. Mais pour cela, il faut sortir en effet d'un système qui vous a coproduit. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez. Parce que vous en vivez. Vous êtes son parasite.